L'ange numéro 52, Imamiah. Il régit du 8 au 12 décembre. Il est l'ange qui nous aide à reconnaître nos erreurs, pour réparer nos karmas avec courage, ardeur et bravoure. Il permet de sortir d'une situation difficile et de faire la paix avec nos ennemis intérieurs et extérieurs. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Facilité à reconnaître ses erreurs. Permet d'expier, de payer, de réparer ses erreurs, ses karmas. Exécution aisée des travaux difficiles. Courage, ardeur, grande vigueur et force émotionnelle. Grande capacité de prendre soin d'autrui, de consoler, d'aider et de soutenir les autres dans des situations difficiles. Charisme, leadership. Vie sociale harmonieuse. Fait la paix avec ses ennemis. Libère des prisons intérieures. Fidèle serviteur. Humilité. Simplicité. Patience. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Refus de reconnaître ses erreurs ou tendance à se diminuer ou à diminuer autrui. Vie affective instable et tumultueuse. Compétition amoureuse. Relation passionnée. Désir pervers. Aversion. Bagarre. Querelle. Grossièreté. Excès d'émotivité, volonté excessive, tendance à critiquer, colère, jalousie, vérité cachée. Dissimulation, double langage, personnalité à deux faces, hypocrite, méchanceté due à la non-reconnaissance de ses erreurs, de ses offenses et de ses méfaits. Aggrave son karma, destin difficile,
esprit conflictuel et rebelle, orgueil, blasphème, rivalité, animosité. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Aide à résoudre le karma. Force de volonté. Prisonnier. Réincarnation. Douce pensée angélique.